Aujourd'hui, on est sur un Nissan Juke avec un problème de fenêtre qui ne s'ouvre plus par la commande. Ici, on a la fenêtre qui s'ouvre en face, pas de souci. Par contre, quand j'appuie ici, il se passe rien. Voilà, le moteur est bloqué. Alors qu'on va démonter le panneau et on va voir pourquoi le moteur est bloqué. Enfin, le moteur est bloqué ou HS, hein, bien entendu. On va vérifier le moteur, des fois qu'il soit simplement bloqué, c'est pas évident. On va démonter toute la plastique J et on va accéder au moteur. Voilà. Faut la démonter en entier la porte? Ouais. Ah, faut que je chope les titous là. Et ouais. Faut la choper là. Oh. Ah, mais une fenêtre c'est comme ça. Et voilà, le moteur il est là, il est bloqué. C'est lui. Enfin, bloqué ou pas. On va aller voir. Alors, on va pas le sortir, c'est uniquement lui qui est bloqué. Je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je le sais. Donc je vais dévisser cette partie-là du moteur. D'ailleurs, on le sent, c'est chaud. On va dévisser ça et on va regarder pourquoi c'est bloqué. Enfin, je pense savoir pourquoi, mais bon. Bobine. Voilà, c'est ça qui est bloqué. Voilà, c'est lui qui nous embête. Pourquoi il finit par se bloquer, j'en sais rien. Un bon kebab là, je l'ai rêvé depuis 2 semaines. Pourquoi t'as mangé kebab? Hein? Non, mais aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, on va le faire ce soir. Ah! J'étais pas du tout là, tu vois. 2 semaines que j'en rêve. Que tu en rêves? Ouais, que je te demandais. J'ai du mal à comprendre pourquoi il finit par se bloquer ce moteur, ce rotor. On va bien le graisser. Je l'avais déjà fait. Ça a tenu 3 mois. Bon, je pense qu'idéalement, il faudrait changer tout le moteur. Ou la voiture. Je pense qu'il vaut mieux changer la voiture. C'est de la vaseline, de la graisse de vaseline. Allez, on remonte. Ça, c'est l'intérieur, hein. On voit pas très bien. Ouais, effectivement, la bague du fond là, apparemment, elle n'est pas en très bon état, elle est plus très ronde. Ici, là, on a une déformation ici. Bien sûr, c'est aimanté. Une déformation ici, on voit pas. Voilà, une déformation ici, là. Ce qui fait que le moteur il se met de travers. Hein. Enfin, le rotor. On remonte. On va remettre les petites vis sans les faire tomber au fond. Ça, je suis le roi de la vis qui tombe au fond. Pourtant, hein, pour alimenter et tout, et tourner les seins. Ouais. Des fois, ça marche pas bien, ça quand même. Même pas s'il ne boit pas après son nom, moi. On remet le joint. On va essayer de rien oublier parce que le joint, déjà que ça enfin, bon, je pense pas que c'est pris l'eau parce qu'en fait, il n'y a pas de traces de corrosion. Là, on remet nos 3 petites vis. Ah, elle va tomber. Faut pas qu'elle tombe. Pas tomber.
Non, non, je suis le roi de la perte de vis, moi. Alors, on va remettre la commande. C'est dans les off. Ça, ça doit être pour ouverture fermeture, j'imagine. Non, même pas, parce que ça marche. On va tout remettre. Voilà. Et ce Mimi, c'est un miracle. Allez, crache le morceau. Le moteur est reposé. On va refermer tout ça. Ça semble fonctionner. Donc, comme il temps, on ne sait pas. Hein. Mais ça semble fonctionner. On n'a pas remplacé le moteur. On a fait quelques économies. Même si ça ne va pas durer, voilà. On remonte tout et puis c'est tout. Voilà. Voilà. Allez, ramène-nous le scotch. Alors là, on s'assure qu'on a bien tous les. Tous les petits choux. Tous les petits choux, les picots, les je sais pas quoi. Non, le. Tous les. Tous les voilà. Je sais pas comment ça s'appelle. Faut pas mettre lui là avant. Ah non. Hein? Faut pas mettre lui là-haut là avant. Quoi là. Non, pas du tout, non. Ok. Alors, tac, on remet ça. La première chose à faire, c'est de rentrer le haut. Voilà. Le tac, haut. Le haut. Le haut. Là, on va venir on la appuie. Pression sur les picots. Voilà. Voilà. On va envoyer 1 bar 5 sur les picots. Voilà. C'est simple, hein. Voilà, c'est du Nissan. Voilà. Voilà. Hop, on peut même remettre ça. On peut même remettre ça, tout à fait. Ça, ça vient ici. On remonte ça, ni plus ni moins. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Voilà. Et on va venir remettre le petit cache là. La petite vis. La petite vis qui va bien au fond. Qui va bien. Le cache qui va bien. Et le dernier petit cache avec les issues. Hop là. Et voilà. Donc là, on va réessayer quand même. Hein. On soit sûr que ça fonctionne. Hop là. Hop là. Bon là, il y a l'automatique. L'automatique ne marche pas parce qu'on n'a pas. On est. La voiture, voilà, à bientôt pour un nouveau tuto.